Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Etrian Odyssey. Alors, eh bien écoutez, on avait déjà fait toutes nos emplettes, donc on peut partir dans la forêt. On va tracer un petit peu sur le début du trajet. Et je ne sais plus si je m'étais dit que j'allais tenter d'abattre le FOE qui bouge quelques levels en dessous. Vous savez, qui fait un aller-retour mais qui bloque un passage. Ou si j'allais essayer de descendre plus bas. Je crois que je voulais descendre plus bas pour explorer un petit peu la zone qu'on a découverte, qu'on n'a pas vraiment explorée encore. Ça part en auto. Du coup, on va improviser un petit peu sur le chemin, mais en tout cas, pour le moment, on va essayer d'y aller assez vite. Pas trop traîner sur le chemin qu'on connaît déjà. C'est un des petits soucis du jeu pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Je suis un peu surpris, je m'attendais vraiment à ce que les portes à cristal s'ouvrent. Et en fait, pour le moment, non. Donc peut-être que j'ai raté un truc, mais peut-être que c'est... Comment dire? Juste derrière la zone. Parce que moi, en fait, quand j'étais tout en bas, c'est après avoir battu Fenrir. Et on était bien blessés, du coup on s'est vite sauvé. Et on n'y est pas encore retourné depuis. Du coup, peut-être que c'est derrière qu'il y a quelque chose qui nous permet de débloquer le raccourci. Alors on voit que les FOE ont repopé. Hein. Bon, ça nous fait toujours des ennemis à battre. Hein, mais en tout cas, c'est surtout leur loot qui est intéressant, qui rapporte pas mal d'argent. Hop, allez, on passe par là. Ah, du coup, tout va repopper. Donc, c'est peut-être pas spécialement intéressant d'aller les nettoyer pour le moment. Sauf pour débloquer une zone, bien évidemment. Après, on sait que celui qui nous bloque le chemin et qu'on doit toujours un petit peu manager en mode je te kite. Et ensuite, je me sauve sur le côté. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, mais bon. Celui-ci, il était rouge pour nous. Du coup, si on devait le faire, je pense que là, maintenant, il faudrait remonter à la ville pour se re-soigner juste derrière. Donc, on va l'esquiver pour le moment. Bon, pour l'instant, pas de soucis avec les ennemis. Ce serait dommage. Hein. Alors. À cet étage-ci. Ah oui, nous on avait fait la zone là, ici, sur le côté. On avait débloqué, on avait vu qu'il y avait trois coffres qu'on a réussi à avoir. On a laissé les deux portails parce que du coup il y a deux FOE là qui vont popper tôt ou tard. Celui-ci, on l'a battu la dernière fois donc il n'a pas encore repopé. C'est de celui-là dont je vous parlais qui nous bloquait le chemin. On va plutôt essayer de descendre. Faire attention, pour l'instant je suis toujours en auto. On va voir si ça suffit pour le moment, ça a l'air d'aller. Ah, on commence à avoir un petit peu d'XP. Alors, vas-y, tu viens? Tu viens, petit gars? Ouais, il vient. Petit gars, il vient. Ah, il vient plus. Il va falloir... Coucou, je suis là. Il est vraiment bizarre, hein, ce FOE là. Hop, hop, et vite on descend. Sinon il nous poursuit. On va aller plus vite en prenant le raccourci qu'il y a en dessous. Ah mince, ils nous ont attaqué en priorité. Ça m'ennuie un peu. En plus ils ont un peu focus Violetta. C'est pas très sympa tout ça. Allez, ça va passer. Ah non, je pensais que ça passerait mais non. On récupère quelques objets en passant, même si bon, je pense qu'à un moment, on va être plein. Alors, une fois qu'on est ici, on va être là. Est-ce qu'on va récupérer un peu la ressource ici? Non, on verra plus tard si on n'en trouve pas sur le chemin. Là, je vais vraiment essayer d'atteindre vite le nouvel étage pour explorer un petit peu. Si on a le level, bien sûr. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu... Alors, je sais pas comment expliquer ça, mais que bon, il faut le level quoi pour profiter du jeu. On peut pas juste y aller en dilettante, c'est assez vite punitif, j'ai l'impression.
Et comme à chaque fois, faut remonter tout en haut pour se soigner. Alors, on pourrait utiliser l'objet. Il y a un objet qu'on peut acheter pour se TP tout en haut. Mais je pense qu'il coûte assez cher, donc je sais pas si c'est vraiment rentable. En termes de temps, oui, sans doute. Hein. On va laisser les points de ressources, tranquille. Bon, elle, je pense qu'elle est plus là, du coup. Vérifie quand même. Non, elle est plus là. On peut plus se soigner ici. Dommage. C'est logique, hein. Parce qu'elle nous soignait pour abattre Fenrir. Mais bon. C'est un peu... un point positif que l'on avait qui nous permettait de farmer qui s'envole. Alors, ici. C'est par là-bas. On va aller quand même chercher le petit minage. Ça, on n'en a pas croisé tant que ça. De la corne de métal. Je pense que c'est tout. Ah non, j'en ai 4. Oh, pyroxène. Et de la pierre blanche. Et là, je peux plus. Très bien. Alors, pour passer ici... Ouah, le chemin, il est toujours un peu tortueux. Faut aller à la petite porte là, qui est juste sur la droite de notre avancée de personnage. Ah, vivement qu'il y a des TP. C'est obligé qu'il y ait des TP. Ces portes doivent servir à ça. Je vois pas trop à quoi d'autre elles peuvent servir. Ou alors cacher des boss, mais bon. Moi, je vois plus des raccourcis, parce que sinon... Ah bah, le jeu va prendre deux plombes à chaque fois. Alors, éventuellement, je vous skipperai des petits passages quand je fais des chemins trop longs et tout ça. Là, je me suis dit, on va foncer, ça va aller. Même si c'est quand même un petit peu long. Ça permet de se remettre dans le jeu aussi. Mais si je dois faire des allers-retours juste pour vendre et revenir, je vous passerai ces passages-là. Histoire que le let's play ne soit pas trop long, parce que je pense que c'est un peu la problématique qu'on va avoir avec ce jeu, c'est que tout est très lent. Enfin, tout est long plutôt que lent. C'est pas lent, mais c'est long. Du coup, bon. Allez, on y est presque. Enfin, il reste encore un niveau en dessous. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des... Ah, ben, il en reste même deux, je l'avais oublié, ce niveau-là. Oh là là, celui-là, il est compliqué. Hein. Là, il y a une porte fermée. Et mais j'ai pas mis la sortie. Alors ça, c'est gênant. Bah, logiquement... Ah bah, c'est ici. Ok. Je l'ai pas mis, mais c'est ici. Bah, pour le moment, c'est par là. Oh, il y a du FO qui traîne. Alors, le furbison, ça devrait passer maintenant. Ouais, tranquille. Ouais, il m'a rien looté, par contre, ce petit radin. Alors, il est rouge, je l'ai vu. C'est un peu gênant. Moi, je dois passer derrière lui, du coup. Aïe. Ah, mince. Je suis pas sûr, là. Je suis pas sûr que ce soit le FO, en fait. Non, ça va. Je voulais l'éviter, je me suis dit, il m'a foncé dessus quand même. Mais non, ça va. Hop. On va prendre le petit raccourci qui est en bas. Qui devrait nous faire gagner pas mal de temps quand même. On est bien content de l'avoir trouvé celui-ci. Ah, un furibison. Je remarque que Violetta a été soignée, donc elle doit avoir le sort qui fait qu'elle regagne un peu de PV à chaque fin de combat. Ce qui est très 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 bien, ça. Très 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 bien. Surtout quand on a des combats qui sont comme ça, comme pour le moment, c'est-à-dire qu'on peut les manager assez facilement. Ah, du coup, là, c'est vraiment gratuit. Alors, on va compléter la map, hein, parce que je ne l'ai pas faite ici, et ça, c'est scandaleux quand même. Scandaleux. Notre petit escalier vers le bas. Ici. Ça. Et on va mettre un petit peu de couleur derrière. Voilà. Quand même mieux. Hein. Et nous revoilà à la jungle primitive. Alors ça, c'est ce fameux rayon qui nous téléporte tout en haut, quoi. Mais on va l'esquiver ce coup-ci. Ah ouais, on n'a vraiment pas fouillé du tout. Hein. Ok, je regarde quand même au cas où il y a des trucs. Hein.
D'ailleurs, ça ne me l'a pas coloré en bleu derrière. Voilà. On va faire très attention ici parce qu'on est sur un deuxième niveau. Donc potentiellement, les monstres peuvent être beaucoup plus forts. On ne sait pas. Enfin, je ne sais pas, ou en tout cas, je ne sais plus. Là, c'est une porte qui est ouverte. Avec du coup, ça ici. Et un petit fond bleu. Alors, il y a quoi ici? C'est effectivement une espèce de jungle. C'est beaucoup plus dense que le niveau d'avant. Et là, on n'est pas loin d'avoir un combat. Bon, écoutez, on va au pif, hein, on verra bien ce qu'on trouve. Alors, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Des toxigluants. On va essayer de les avoir en auto. Ah, on n'a pas tué, hein. Ah, en voilà. J'imagine que ça empoisonne, cette saleté. Fluide visqueux, très bien. Eh, hey, Violetta était pas loin de son level 17, hein. Très bien. Ça devrait nous débloquer de nouvelles armes, ou armures. Là, y a rien. Oh, bah, y a encore une porte. C'est vraiment bizarre, ces histoires. Comment je te... Je sais plus comment je les ai indiquées, ceci. Bah, c'était porte fermée, tout simplement. Suis-je bête? On va mettre une porte fermée ici. Alors, j'ai pas moyen d'indiquer quel cristal c'est. Mais bon. Hop. Pour le moment, c'est petit. Le passage doit être ailleurs. Oh, ou alors c'est juste la zone de droite qui est comme ça. C'est possible. Ok. Allez, encore des toxigluants. Ah non! Bon, ça va, ça rate. Ah! Cardan est empoisonné. Oui, 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 il est bien empoisonné même. Ok, ça rate. Aïe, Calmos là. Ah, j'ai pris cher. J'ai pris super cher. On a un petit point avec Violetta. On va le mettre tout de suite. Alors, où est-ce que je te mets ton point de compétence, toi? Fureur. Augmente les dégâts infligés lorsque les PV sont bas. Ouais, non, c'est un peu bizarre, ça. Extase. Ouais, bon. Ça, c'est la combinaison une fois qu'on a digoté la tête, le corps et les pieds, mais... Moi, je suis pas très fan de ça. Est-ce qu'on se mettrait pas juste du fouet? Ouais, allez. On va pas trop s'embêter. Ça fera un petit peu plus de dégâts. Et on va par contre se soigner parce que là... ça fait mal. Je vais te demander de te soigner toi-même. Comme ça... C'est pas les MP les plus importants qui vont partir. Waouh, ça fait cher quand même. Allez, on poursuit notre exploration de cette nouvelle strate. Donc il y a un truc ici. Ah bah c'est une porte. J'ai pas ouvert une porte qui est juste en face de moi. Ah, il y a un FOE par contre. Il y a un FOE. Bah il y en a plusieurs même. Oh ouais, il y en a plein. Bon, ils sont orange donc ça devrait aller. Mais c'est assez surprenant. À quoi sert cette salle à part nous mettre des ennemis? Parce que là, comme ça... Oh! C'est quoi ça? Un sopogluant. Ah, du coup, il y en a un qui nous endort, soporifique. Il y en a un qui nous empoisonne. Ah, super. Sympa le coin. Wow, aïe aïe, deux empoisonnements. Ah non, mais ça va pas aller. Je vais me faire exploser comme ça. Bon, ça va, ils ont pas duré trop longtemps du coup, mais... Ah ouais, c'est... douloureux, hein. Sopogluant, très bien. Et il m'a rien looté de spécial, ce petit radin. Attention, FOE quand même, hein. Ah, il y a un passage ici. C'est à ça que servait cette pièce. Bon, on va pas prendre de risque, on va déjà prendre la porte et voir ce qu'il y a derrière. On la rajoute sur notre map.
Alors je sais que ça fait toujours des petits ralentissements quand on fait ça, mais bon bah ça fait partie du jeu. Et encore là, il fait la map en auto quasi intégralement. Du coup, je trouve ça assez sympathique, moi. J'aime bien. C'est peut-être un peu personnel, c'est sûr, mais bon. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-bas. Donc on peut passer par ici, on va y aller directement. Pas de FOE, rien. Ça n'a pas l'air. Je regarde de temps en temps s'il n'y a pas des passages secrets, mais... Oh! Qu'est-ce que c'est que cette saleté? Armoguep. On va se mettre en auto pour voir si ça résiste bien. Aïe! Aïe, 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 aïe! Ah, ça fait des dégâts en tout cas. Hein. Et Violetta est endormie. Oui, c'est bon, il va falloir se calmer là. Hein. Il va falloir se calmer sérieusement. Par contre, ça donne de l'XP. Ah ouais, ça fait quand même des dégâts. Hein. Va pas falloir que je chasse le malin, sinon je vais me faire poutrer, c'est sûr. Donc là, il n'y avait rien. Par contre, j'ai une porte ici. Ah, il y a un point de ressource. Alors, donc ça veut dire que l'on a une porte. Là. Et un point de ressource. Et ça, je crois que c'est... Bon, on va y aller, on va vérifier. Prendre. Donc c'est ça. Une feuille de menthe que j'avais jamais eue. Très bien. Oh, j'ai rien trouvé au deuxième, c'est pas cool. Et comme je peux faire que deux fois prendre, ça se limitait à ça. Ok. Comme faire le tour correctement. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? À mon avis, il faut que je fasse très attention à ce combat-là. On va pas prendre le risque, on va commencer à attaquer. Donc tornade, c'est tous les ennemis, ça c'est bien. Toi, tu vas protéger les frontaux. Toi, tu vas essayer d'empoisonner lui. Gorigong. Toi, faut que tu soignes. J'espère que j'aurai le temps de soigner. Parce que Violetta, il lui reste 43 PV, à mon avis. Ça va être compliqué. Par contre, je peux mettre hâte sur tout le monde. Ok. Ok. Bon, elle m'a raté, la première araignée. Enfin, la deuxième araignée. Oui, poison. Ça, c'est bien. Il marche bien aussi ce sort là. Un petit peu de soin, ça fait pas de mal. Et l'attaque du Corrigong, il a raté. Oh là. Allez, j'ai l'impression que je suis ligoté là. Il y a le symbole de liane. Bon, on va déjà voir. Oh bah ils ont pris cher en fait déjà. J'aurais pas cru. On va aller en direct. Non, c'est bon, attaque toi. Et attaque. Une de moins. Ça, c'est pas tant que ça. Hein. Ok, son attaque a raté. On va la terminer en direct. Bon, ça va. Bon, ça en fait des nouveaux ennemis. On a une griffe tordue, c'est tout. Je pense qu'on aurait pu avoir plus que ça. On n'a rien eu des araignées, je crois. Ou alors ça vient des araignées, ça, et du coup on n'a rien eu du Gorikong, ce qui est dommage. Par contre, on a levé le P. Le tank. Gorikong, tarentisseuse, griffe tordue. Hop, on va tout de suite mettre notre point, parce que franchement, ça va peut-être nous sauver la vie. C'est sur le tank hein, qu'on a fait ça. Ouais. Garde arrière, ouais, bof. Enfin, c'est pas bof, mais bon, ouais. Fortifié. Ouais. Tracker. Ça s'utilise. Se préparer à la mort permet d'y survivre. Ah, j'avais déjà mis un point là-dedans. C'est pas mal du tout, ça. Est-ce qu'on améliore son remède?
On va augmenter la maîtrise du bouclier, ça augmente sa défense élémentaire. Voilà. On vérifie que les autres... Ah ouais, Sarah aussi, elle a level up, c'est bien ça. On va augmenter le baume. Hein. Oui, il va coûter plus cher à utiliser par contre, mais ça... Il n'y a pas de mystère. On va faire une petite sauvegarde rapide, au cas où. Que là, on est quand même vraiment dans l'inconnu, et on ne sait pas à quoi s'attendre. Forcément, c'est l'inconnu. Ok. Bon, cette zone, elle a été vidée. Très bien. On va aller voir en bas ce qu'il y a. À mon avis, il n'y a rien, là. Enfin, il y a un coffre, peut-être, mais... Je suis pas sûr qu'il y ait une sortie, quoi. Oh, ça attaque. Calmos, calmos. Oh là là. Ah, Violetta, elle s'est fait allumer. Hein. Level up pour Lancelot, très bien. Oh, un feu juste devant mon nez. On va l'attaquer. On va l'attaquer, il est orange, il y a moyen qu'on le batte. Par contre, il faut que j'utilise mes compétences, moi. De toi, on va utiliser un remède. Voilà, deux fois, ça c'est pas trop mal. Bon, bah on va voir ce que ça va donner. Hein. J'espère qu'on se fasse pas corriger, mais ça devrait aller. Un Moa, encore un nouveau mob. Par contre là, on prend pas de risque, je me mets en boost et je t'attaque en compré. Toi, tu vas attaquer. On va voir s'il a beaucoup de points de vie ou pas. Toi, tu fais Anaconda. Tu peux attaquer aussi, Sarah. Et toi, tu nous fais un coup de hâte. Parce qu'à mon avis, il va pas tomber tout de suite non plus. Ah, pas d'empoisonnement. Dommage. C'est tellement fort, l'empoisonnement. Oh, oh, il fait mal. Oh! Ah, il attaque tout le monde en fait. Oh. Ah ouais, violent. Est-ce qu'on l'a bien entamé? Bon non, on l'a pas entamé beaucoup. Ah, ça va être compliqué cette histoire. Toi, tu vas utiliser la garde de front, du coup. Boost. Compétence Anaconda. On va essayer de soigner avec un baume, hein, mais on a pris très très cher en fait là. On est un peu... Un peu mal barré en fait. Là on va faire un multicoup, c'est ok. Multicoup. Ah non, non, il a tué Violetta. Ah quel dommage. Ouais bah oui, mais bon. Alors il a pas que des attaques de zone vu que du coup là il m'a attaqué en... Ouais il a pas perdu beaucoup de points de vie. Il m'a attaqué sur une seule cible, par contre la cible elle est au sol. Et ça c'est un peu casse-pied. J'ai pas grand chose en plus hein. Je peux pas ressusciter quelqu'un. Bon allez attaque, hein. C'est dommage pour un boost mais bon. Toi tu peux faire quoi? Bah non, tu peux juste soigner. On va quand même vérifier ça. Ouais, bof. Bah attaque, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, là je suis pas à l'aise. On va retenter le multicoup. Ça coûte cher en PM quand même le multicoup. Ok, ok. Là, il attaque tout. Oh, aïe, 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 ma soigneuse. Oh, il me fait mal, ce FOE. Il est orange, mais il tape bien. Hein. Il tape bien. Attaque. On est juste à la moitié de sa vie. On va faire un boom. Compétence, tout. Tir précis, ce coup-ci. Mais calme-toi, toi. Ouah, c'est tendu. Compétence couperée. Toi, t'attaques.
Non, j'allais dire tu provoques, mais il a que 64 points de vie. C'est pas une bonne idée. Toi, bah tu vas refaire un baume si tu survis. Est-ce qu'on met hâte direct? Non, on va faire un tir précis. Ouf, c'était un mono-cible. Oh, on n'est pas à l'aise, hein. On va le battre, mais on n'est pas à l'aise. Ah, il est pas encore tombé, hein. Bah, refait un baume. Si on survit, parce que là, je pense qu'il va faire une attaque de zone. Ok. Ouf. On l'a vaincu, mais ce fut une dure lutte. Et ça donne que 729 XP, c'est-à-dire autant que le combat qu'on avait fait avant où il y avait 3 mobs. Par contre, on a eu un membre d'oiseau. Ça, c'est nouveau. On va se soigner quand même. Et bien, du coup, on va remonter, hein. Je vais juste terminer la zone, mais comme on a déjà perdu un personnage, vaut mieux pas faire le malin. Hop. Et il n'y a rien du tout. Génial. Super. Ah, je suis trop content d'être venu là. Hein. Ok. Attention, hein, parce qu'on n'a plus... On n'a plus que 4 personnages et en plus, ils sont attaqués en premier. Aïe, 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 aïe. Ok, pareil, on va se re-soigner. Bah, plus beaucoup de magie, hein, déjà, elle. Va falloir faire attention au FPE qui fait le tour, là. Regardez, il vient vers la porte à chaque fois. Et en plus, je vois que ma jauge d'ennemis monte. Et ça, c'est pas bon signe pour moi. Je vais passer à temps. Je crois pas. Je crois que là, je suis même bien bloqué, en fait. Aïe. Allez, calmez-vous. Tout va bien se passer. Ah, un peu d'XP pour mon archer. On va lui attribuer tout de suite son point. Où je te le mets? Multicoup, c'était pas mal en vrai, hein, mais ça coûtait beaucoup. Handicap, bof. On va juste monter ses dégâts pour le moment. On verra la suite plus tard. Et du coup, là, pour moi, il va arriver ici. Par contre, est-ce qu'il... Ah ouais, mais c'est embêtant, ça. Hein. Ah, il est resté là, ce filou. Ah non, c'est bon, il est passé. Et là, lui, il va venir vers nous. C'est super dur, en fait, de les esquiver. Bon. Est-ce qu'on va être capable de le tuer avec nos personnages? J'ai des gros doutes. Hein. On n'a plus rien. Est-ce qu'on tenterait pas plutôt une fuite? Ouais, on va tenter la fuite. Non. 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 Ouf. Ah, c'est passé, mais en fait, il est en face de moi. Ah bah, super. Ah, comme ça. Ouais, c'est bon, on va passer là. Ouh, c'était tendu, ça. Ah, par contre, on peut être TP directement. Ah, c'est bien, ça. Et j'ai rien vu pour casser le cristal, donc... voilà, quoi. Ah, on peut sauvegarder ici, c'est rigolo. De toute façon, on va retourner en ville. C'est un pôle géomagnétique. Ah, je pense que je viens de comprendre un truc. Au début, on a le choix entre descendre dans le labyrinthe et il me semble qu'il y a un truc, c'est pôle géomagnétique ici. Ouais, en fait, on peut y aller directement comme ça. Ok, ça marche. Bon, c'est bien. On aura plus à se taper tout le chemin de façon obligatoire. Alors, bah tout d'abord, on va ressusciter Violetta. Hein. Ça va nous coûter je sais pas combien, mais bon. On a un peu d'argent. Très bien, ça c'est fait. Ensuite, on va quand même vérifier vite fait.
Non, c'est pas ici. On va vérifier au pub qu'on n'a pas validé des quêtes en ayant oublié. Non, on n'a rien fait ici. Je pense qu'il n'y a pas de nouvelle quête. Hein. Dans la salle du radar non plus. Nous, on n'en a plus ici, en fait. Par contre, on va faire part de nos découvertes. Parce qu'il y avait pas mal de choses. Très bien. Bon, il n'y a plus qu'à aller au pub, revendre toutes nos saletés. C'est pas au pub, c'est au bazar. Voilà. Alors. 350, ok. Niveau argent, on commence à être bien. Ah, à chaque fois, je me fais avoir avec ce système. Voilà. Donc elle a fait un fouet clouté. Ah, il me reste encore des trucs à vendre. Ah ouais. L'herboristerie a un nouvel objet en stock. Nectar. Je sais pas ce que ça fait. Faudra aller voir. Bon, on va voir son fouet, elle. Il n'y a que ça qu'elle a créé en nouveau. C'est une arme. Ah non, il y en a d'autres, mais on n'a pas encore les trucs pour. Par contre, le fouet... Ah, il y a deux fouets, là, en fait. Donc, le fouet, c'est pour Violetta, évidemment. Ah, il y a quand même une belle différence entre les deux, hein. Il me faut un lierre gluant de plus. Écoutez, on va le prendre quand même en attendant. Je pense qu'il faut pas être radin dans ce jeu. Ça n'augmentera notre attaque et c'est toujours ça de prix. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a d'intéressant. Ouais, ici c'est tout. Bah écoutez, très bien. Hein. Très bien. Alors, on va juste voir ce qu'il y a dans l'objet. Ouais, ça c'est pas mal, mais bon. On va aller voir c'est quoi le nectar. Allez, repositories. Alors. Élixir de résurrection fait de miel ressuscite avec un peu de PV. En vrai, c'est très intéressant. Je vais en prendre deux. C'est un peu cher. Mais en vrai, ça peut vraiment être utile quand on est plus bas dans les donjons. On va quand même regarder ce qu'il y a ici. Rend 10 points de boost. Rend 15 PT, ça peut être bien. C'est 200, c'est pas si cher que ça. On va pas se baser là-dessus. Je vais en prendre deux quand même. D'urgence, ça pourra redonner des pétés à ma soigneuse. Très bien. Bah écoutez, on va passer une petite nuit à l'auberge. Je sais pas combien on va la payer, mais... 95, bon, c'est 3 fois rien. Et du coup, on peut se re-TP directement bah, dans la deuxième strat. C'est comme ça qu'on marche. Bah du coup, je sais pas c'est quoi les portes à cristaux. Ça m'intrigue énormément. C'est cool ça. Ça c'est vraiment cool. Gardez-moi ça tout ce temps gagné. Bah, apparemment du coup ce serait qu'une fois par strat. Hein. Enfin c'est... Vous avez compris ce que je voulais dire. Est-ce qu'on ferait pas un peu le ménage ici? Parce que c'est trop casse-pied de les esquiver. Même si c'est que temporaire. Allez, on va voir ce que tu vaux toi en fait. Garde de front. Essayer de l'empoisonner. Ah, j'avais oublié un petit détail. C'est que vu que les autres sont autour, ils vont se joindre au combat. Aïe. J'avais pas pensé à ça. On va faire d'abord de la hâte sur tout le monde. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Qu'on allait se faire rejoindre par les autres FOE. J'espère qu'il a pas trop de points de vie du coup. Ça c'est bien que t'es raté. Ah, c'est pour tout le monde. Ça va, tout le monde, ça a raté sur tout le monde. Alors, on va essayer en direct de voir combien de dégâts on lui fait. Non, non, toi tu fais par contre Anaconda. Et les autres ils tapent en bourrin. Ouh, d'un coup critique. Ah, pas empoisonné. Oh, ah, t'as fait mal là.
Bah on va faire un remède sur Cardan. Et toi, tu vas nous faire un multi-coup. Allez. Aïe aïe aïe. Fait mal quand même, hein. Pour le moment, il n'y en a pas d'autres qui ont rejoint le combat. Bonjour à tous. Pas cool, ça. Pas cool du tout. Toi, tu soignes tout le monde si tu peux. Et hop, on refait un multi. Toujours pas de poison, hein. Oh, j'ai encore raté. Ok. Bon, Lancelot, elle a 81 PV. Ah mince, il nous a fait une attaque. J'ai deux personnages en terreur. Je sais pas exactement ce que ça fait. J'imagine que potentiellement, il va pas faire son coup. Ah, par contre, il a déjà pris cher en point de vie. Essayer de le finir comme ça. Toi, je veux bien que tu refasses un baume. Et toi, t'attaques. Ouais, c'est ça. Ils agissent pas, ils ont trop peur. Potentiellement, j'imagine. Oh non, il a tué Lancelot. Ah, sale bête, va. Et tout le monde tape dessus. On venge Lancelot. Ah, ça c'est un petit peu casse-pied. Hein, parce que je crois pas que son loot va rembourser vraiment. Ouais, il a rien looté. Bah, génial. Bah, c'est fabuleux. Bon, c'est toujours un nouveau monstre de trouver. Mais là, je suis bien dans la mouise en fait. On profite pour faire un petit peu d'exploration de la zone. Il n'y a pas une porte là-bas. Non, il y a l'air de rien avoir. Bon, on en aura au moins abattu un. mais en fait, c'est où la suite? Là, j'ai tout fait. Ah non, il y a encore cette zone-là à explorer, mais... Ah là là, ça me casse les pieds depuis avoir... Je vais la ressusciter, tant pis. C'était 200, hein, ça, je crois. En plus, ça lui donne pas beaucoup de PV, si je me souviens bien. Ok. Ah ouais. Ah, j'ai mon tank qui est endormi. Faire un remède sur Lancelot et toi t'attaques. Ça va, ils ont pas attaqué Lancelot pour le moment. Tant mieux. Ça va. Ok, tu te débarrasses du Sopoglion. Bon, il est vraiment pourri ton soin là. Morceau d'ambre. On va soigner tout le monde. Voilà. C'est pas parfait, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et du coup, lui, il va arriver là, non? Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est là, lui? Il avance sur le côté. Ouais. Du coup, si je me mets là... Ah, il y a une porte là-bas. Allez. Hop. Voilà. Je me disais bien que c'était étrange. Alors, à quoi ça nous mène tout ça? Pour le moment, je vois rien de spécial. On va essayer de faire attention s'il n'y a pas un petit passage secret dans le coin. Oh, c'est une grosse zone. Il y a du monde ici. On va attendre un tour quand même. Ah mince, on l'a pas abattu. Heureusement, on avait un coup d'avance.
Parce que le poison, c'est vraiment un truc qui me fait super mal dans ce jeu. Ah, un petit peu d'XP, mais pas d'objet. Ah, il y avait un passage ici. On va voir déjà ce qu'il y a là. Ah, pas grand chose, invisiblement. Ah si, il y a un point de minage ici. Très bien, on va le mettre sur la map. Hop, et bien sûr on va miner parce que la nuit est passée. J'ai rien trouvé, bah super. Ah, un fossile, on n'avait jamais eu de fossile. Encore un fossile. Et de la limaille de fer qu'on n'avait jamais eu non plus. Bah dis donc, c'était rentable de venir ici. Encore une porte, décidément. C'est bien, ça se dessine un petit peu. On a déjà une vision plus claire du niveau. Par contre, la pièce là où il y a tous les FOE, elle est quand même un peu dangereuse. Ça me paraît assez facile de se faire déborder là-dedans. On va utiliser un baume. Ah là, on a eu un flux de whisk, c'est-à-dire qu'on va débloquer le deuxième fouet de Violetta, le fouet suivant. Ça, c'est bien. Compétences, Sarah, baume, et hop pour tout le monde. Ah, je suis en train de me demander si c'était pas plutôt le truc de... l'objet qui remontait 15 PT qui était à 200 pièces. Et le nectar, je sais pas. Oh, par contre, j'ai quelqu'un qui me suit, là. Je l'avais pas vu, ce petit filou. On discutera plus tard, mon petit gars. Pour le moment, j'explore. Hop là. Alors, pas de passage secret ici. Non, non, plutôt... Plutôt lui, il faut attaquer. Se faire un baume. C'est lui le plus dangereux. Ok. Ça c'était bien placé. Toile visqueuse, cool, on n'en avait jamais eu. Non, pas de passage secret dans ce sens-là. Bon, il y a encore une porte. Avec encore un FOE, décidément, on les enchaîne, hein. Je suis en train de me demander si ma première strat, elle n'était pas tranquille par rapport au vrai niveau du jeu. Là, il y a vraiment des FOE partout. Et en plus, ils sont bien sur le chemin. Bon. Ici, j'imagine qu'il y a une porte quelque part, ou un passage. Ah oui, il y en a encore un là. C'est bon, oui. Si je me mets là, ça va. Ah non, je crois que je l'ai combattu. Bon, bah écoutez. On fait ce qu'on peut. Tiens, vas-y, empoisonne-le toi. Ça ferait du bien. Et on va se mettre en hâte. Ah, j'étais en train de me dire cool, le rugissement il a fait peur à personne, mais si, à mon archère. Elle a beaucoup de PV quand même, hein, ce petit coquin. On retente le poison,
on sait jamais. Niveau PV, ça va, on n'a rien perdu. Pas fait un tir précis, toi, du coup, hein, mais bon. Faudrait pas que tu t'en fies. Wouah, 84 dégâts sur le tank. Ah, poison, bien joué. L'archère qui a peur. Et toi qui rate. Super. Bah on est reparti, hein. Hop. Mets-toi en défense, toi. Toi, bah, du coup. Je vois pas trop l'intérêt de faire un baillon. En fait, ça va rien changer que sa tête soit ligotée. Je vais attaquer en direct. Toi, je vais te demander de soigner. Ah, j'ai remède et remède 3. J'ai pas remède 2, dis donc. Soigner le tank. Toi, par contre, si tu peux me faire un tir précis, ce serait pas... Ah bah, t'es encore en peur, c'est vrai. Est-ce qu'elle utilise ses... Oh non! Il a one-shot Yoletta. Oh, quel enfoiré. Il se venge du poison, mais... ça m'arrange pas du tout, là. Ouais, il a mis vie. Ok. Bah, du coup, on peut juste attaquer en direct, ici. Je vais pas faire garde de front parce que j'ai plus qu'une personne dans ma garde là. Tant pis, t'attaques. Hein. Toi, par contre, je veux bien que tu ressuscites. Faudrait que je vois si c'est pas. Ouais, je crois que c'était 500 ça en fait. C'était peut-être pas 200. Faudrait que je vérifie. Et du coup, bah toi, attaque en direct parce que de toute façon, t'as peuré. Super, je rate. Tape pas Violetta. Ok. Bon, ça, ça va. Attaque. Là, par contre, fais un garde de front. Toi, tu attaques. Et toi, tu vas nous soigner. Ouais, fais-le en baume plutôt. Et on va croiser les doigts pour qu'il ne me tue pas à nouveau Violetta ou Cardan en attendant le soin. Toi, t'es toujours en peur, donc t'attaques. C'est bien, elle commence à faire pas mal de dégâts, même en direct, hein, Violetta. C'est bien, ça. Bon, il peut quand même la one-shot, hein. Ah bah, c'est pas elle qui la one-shot, c'est mon archer. Mais il fait mal, hein. Il fait mal, ce petit coquin. Ouais, il te reste encore beaucoup de PV en plus, hein, toi. On va refaire un boom. Je commence à être à court de... Mais non, arrête de tuer tout le monde. On va pas s'en sortir si tu fais ça, toi. Ah ouais, là, on est vraiment pas bien. Hein. Ah bah écoutez, on peut que bourriner, hein. J'ai pas beaucoup d'autres choix. En espérant que ça passe. Oui, t'as raison, rate. Encore bon. Heureusement, il fait cette attaque-là qui n'est pas trop gênante. Enfin, elle peut être géante, mais en tout cas, elle fait pas de dégâts. Voilà. Waouh, deux morts. Quasiment plus de points de magie. Voilà, un petit bonus pour Violetta en termes de level up. Oh, Furious. Ça, on n'avait pas eu. Alors, compétences. Non, personnalisées. Où est-ce qu'on va te mettre ton petit point, toi? Non. Ouais, bof. Ça, c'est pas mal. Je montrerai bien son attaque quand même. Ou ses points de vie parce qu'elle tombe souvent. Ouais, on va monter ses points de vie un petit peu. Je sais pas combien ça va les monter, mais bon. On va soigner aussi. On va se soigner avec le soin de Cardan. Au mieux qu'on peut en tout cas. Oh là là, il soigne tellement pas son soin. Regardez-moi ça, quelle catastrophe. Bon, bah là il va falloir prendre une décision, parce qu'il va falloir vite revenir ici. Et en même temps, on est là, mais on voit qu'il y a un FOE encore là derrière en plus. Hein. Ah ouais, en fait c'est une plus grande zone que je pensais ici. Bon, faut que je retourne en arrière, sinon je vais pas réussir à y arriver.
Il y a encore du chemin, on a encore des ennemis qui vont popper. Tiens, je suis pas du tout allé par là. Je sais pas ce que ça donne. Jette un œil. Ok. Ça doit mener à quelque chose sur le côté. On verra plus tard. Là, l'objectif, c'est de réussir à revenir vivant. Et je pop juste à côté d'un FOE. Hop, tout va bien. Bah, attaque, hein. Oh, il a endormi ma... Oh, mais c'est pas vrai, ça. Ok, un de moins. Allez, on peut gérer, ça. L'autre, il est juste derrière moi. Ok. Là, on avance tout droit. Pour l'instant, ça va encore. Ah, ça va de moins en moins. Et on va avoir un ennemi bientôt. Sûrement avant la porte. Ah là là. Mais laissez-la tranquille, Violetta. Oh là là. Pénible, hein, ces monstres. Mais, oh, c'est pas vrai. Ah bah ouais. Ça devient plus que compliqué, hein, là. Deux level up. Ah, forcément, ils chopent tout de l'XP, eux. Donc, Lancelot et Garden. On va quand même mettre les points. Des fois que ça nous sauve. C'est possible. Alors, non. Non, de toute façon, c'est pas ça que je voulais. Soin de bras, on s'en fiche. Ça aussi. Il y a pas beaucoup de passifs, hein, lui. Enfin, elle, du coup. Coup double. Ah, compétence passive. Ah, ça, c'est pas mal. Mais du coup, il me faudrait... ça, j'ai déjà. Ah, il me faudrait 5 en hache. C'est un peu nul, ça. J'équipe pas des haches, mais... Je vais mettre juste un point maintenant. C'est pas grave, parce qu'on n'a pas de hache. Et... Tornade, on va l'améliorer. Voilà. Et ensuite, pour toi, on va augmenter tes PV, je pense. Ouais. Voilà. Allez. C'est pas gagné. Je peux encore essayer de m'utiliser un petit peu mon mini soin. Mais bon, il n'y a plus que deux, donc de toute façon, on va pas se mentir, ça va être compliqué de survivre. Surtout dans cette maudite salle là, avec les 15 millions d'FOE. Lui, je sais pas s'il tourne là ou s'il tourne là. Ah, je suis bloqué. Parce que lui, s'il descend vers le bas, maintenant je suis bloqué. Et si je monte et qu'il descend, qu'il va sur la droite, je suis bloqué aussi. Et lui, c'est pareil. Bon, lui, c'est sûr qu'il va venir ici. Donc, j'ai une chance sur deux, en fait. Avec deux personnages seulement. Ah, je vais tenter ça. Ah, raté. Bah, on tente de fuir, là, de toute façon. On n'a pas le choix, mais... Ouais, c'est passé. Ah, c'est passé, mais du coup, je suis ici. On va se mettre là. Ah ouais, il passe là, lui. On va essayer de descendre là. J'avance ici. 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 Bon, pas mal. On s'en est bien sorti, hein. C'était à un doigt. Allez, hop. Et on retourne en ville. Ah, ça fait plaisir, ça. Bon, on a pas mal exploré, en vrai, hein. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ici? Bon, on va ressusciter d'abord les gens, ce qui va me coûter une fortune. 180, super. 190. Et 190. Bah, déjà, il y a 600 pièces qui sont parties juste pour ça. On va tout de suite aller dormir. Comme ça, on va pas vivre sur l'argent que l'on n'a pas. Ça fait 100, ok. Petite sauvegarde, hein. Voilà. Alors, on va quand même vérifier si on n'a pas validé des quêtes, même si je pense pas. Hein. Non plus. Il n'y a pas de nouvelles quêtes. Bon, bah du coup allons au bazar. Ils vendent tous nos trucs. La fourrure douce, elle donnait
La fourrure, pardon, d'ours, elle donnait 350, c'est pas mal, mais là j'ai eu que 741. Avec tout ce que j'ai dépensé, je suis même pas rentable. Et en plus, j'ai utilisé des nectars. Ok, tu peux faire des gants d'ours. Super. Super. Armure. Toutou. Gants. Qui ça peut intéresser, ça? Ah, je peux pas faire le fouet? Ah, je suis un peu surpris, là. 5 petits bois de plus. Arc de bête. Je vais aller vérifier. Ah ouais, je suis pas dans fouet en fait. Là, il faut 5 épines de plus. Fouet coulté, c'est ce qu'elle a déjà. Et celui-ci. Faut un lierre gluant. Ah, c'est. J'avais pas eu ça. Ok. Arc de bête, c'est déjà ce qu'on a, logiquement. Bon, du coup, armure, les gants. Ça donne plus 3 de défense, plus 2 de force, plus 5 de technique. L'air pas mal comparé à l'anneau de pôle. Bon, je vais te prendre ça. Et ensuite, pour les autres, gants cousus. Bah, c'est pas mal aussi pour lui, en fait. Que c'est pas mal pour presque tout le monde en fait. Elle, on va la conserver en agi. Ouais. Bon, elle a dépensé encore plein d'argent. On va aller vérifier combien ça coûte les nectars que j'ai gaspillés là. Ouais, c'est 500, hein. C'est très cher. Bah, du coup, j'en ai plus. J'en prends un en survie. Mais il va falloir que je fasse un petit peu gaffe. Le niveau est un petit peu surélevé par rapport à moi. Eh bien écoutez, nous, on va juste sauvegarder là, on va se laisser là pour cet épisode. On aura pas mal exploré quand même le nouvel étage. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, on l'a pas encore fini, hein, le premier étage de la strat 2. Mais bon, ouais, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de FOE dedans et qu'on était un petit peu juste. Mais bon, en farmant, ça va aller, on va y arriver. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de crainte. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!